Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Company of Heroes 2 pour s'attaquer après la campagne que je vous ai réalisée aux opérations du théâtre de guerre. Et plus précisément, pour l'instant, on va s'attaquer à l'opération Barbarossa. Puis après, maintenant, on sera plus en bleu, victoire de Leningrad et vers les victoire à Stalingrad et vers les fronts du sud. Je les ferai aussi, mais plus tard. Mais pour l'instant, on va faire l'opération Barbarossa. Le Troisième Reich lance son invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941, baptisée Opération Barbarossa. Cette attaque d'envergure mobilise plus de 4 millions de soldats de l'Axe et oblige les soviétiques à utiliser toutes leurs ressources pour arrêter l'ennemi. Durant l'Opération Barbarossa, on jouera autant soviétique que l'on jouera allemand. Nous avons des missions en coopération, donc je dis tout de suite, ça sert à rien de m'envoyer des messages en privé. J'ai déjà des personnes qui se joindront à moi pour faire ceci, donc ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, nous allons nous attaquer à cette première mission, défi solo, le froid hivernal, en difficulté générale. Et je vais vous lire ça avant de lancer cet enchaînement, étant donné que ça n'apparaît pas. Donc, vallée de l'Oka, Russie, l'URSS, novembre 1941. La progression des Allemands en Russie soviétique ralentit enfin. Les fascistes sont au port de Moscou, mais ils sont surexposés et mal préparés à la rigueur de l'hiver russe. Une colonne blindée en route pour le siège de Moscou est brusquement surprise par une forte baisse de la température. Deux sections de fantassins de la garde endurcies sont envoyées pour éliminer les véhicules immobilisés avant que le temps ne s'améliore. D'autres troupes se trouvent à proximité, mais ne peuvent pas approcher tant que les Allemands tiennent un carrefour clé. Affronter le froid glacial et guider une colonne blindée allemande. Donc, c'est parti. Donc, objectif, c'est maintenant de détruire tous les véhicules qu'on peut trouver et nettoyer le carrefour pour bénéficier de renforts. Des informations spéciales, des règles spéciales qu'on établit. Le temps froid ralentira et finira par tuer vos troupes qui sont à l'abri, c'est-à-dire vous êtes toujours en blizzard. Les ressources ne sont limitées uniquement qu'au cas de mission que vous trouvez sur la map et vous n'avez aucun commandant durant cette mission. Donc, vous ne pourrez pas appeler de troupes, rien d'autre. Ils sont complètement enlisés. Allez éliminer ces véhicules allemands pendant que le froid persiste. Mais faites attention, le général Hiver ne vous épargnera pas si vous restez exposé au froid. Vous allez devoir faire un raid sur le matériel allemand pour récupérer des munitions. Les fascistes tiennent le carrefour principal, camarades. Délogez-les pour qu'on puisse vous envoyer des renforts supplémentaires. On voit. Vos troupes sont équipées de fusées éclairantes. Utilisez-les pour reconnaître les lieux sans vous exposer. J'ai pas de munitions, donc je peux pas le faire. Groupe de la garde près. Voilà, vous avez une section en anti-infanterie, une section en anti-char. Et il y a 9 véhicules à faire sauter. Pour le début, puis après vous avez un unité secondaire, c'est faire tout sauter en fait. Allez, faites vite, on change de crèmerie. On est prêt. Infanterie ennemie neutralisée. On bouge. Voilà. Ouh, il fait froid ici. Ouh. Les combos sont en manque de précision par des tonnes de munitions. Voilà. L'ennemi passe à l'attaque. Bon, c'est des faibles sections, donc c'est pas à craindre mort force. À terre, baissez-vous. Il y a un groupe d'infanterie ennemie en bas de gymnastique. Ou une balle. Camarade. Et comme je n'ai pas de munitions. Liquidez-moi tous ces Allemands. Voilà. Faut dégager le croisement pour avoir des renforts, c'est ce que nous allons faire. On fait mouvement, camarade. Ça par contre, c'est vraiment un bon point. Allez, faites vite. Ouais, ça pourrait être un bon camarade. Point. Équipe PTRS en route. Sauf que le moteur endommagé me pose problème. On a un DP-28, indiquez une cible. Encore, si le moteur ne serait pas endommagé, ça m'arrangerait. Mais étant donné que le moteur est endommagé... je sais, je me répète, mais excuse. L'avantage, ça me permettrait de dépasser mes troupes. Mais le moteur étant endommagé, je vais me déplacer lentement. J'ai pas de sapeur pour l'instant. Je sais même plus si j'en ai. Je veux dire, c'est vraiment... Pour moi, c'est un détail, avoir des sapeurs. Hein. Ils sont comme ça. En route, camarade. Il faut y aller, là. Promotion sur le terrain.
On décroche. Encore un fasciste en moi. Où est-ce aller? Sous le feu ennemi. Bravo, camarade. Les recrues et le génie d'assaut sont en route pour renforcer vos troupes. Ah bah c'est bon. J'ai du génie d'assaut, donc je reprendrai ce véhicule. Sur nous. Donc nous avons... Parfait. Hey. Notre courage a été récompensé. On a éliminé un groupe d'infanterie. On quitte le secteur. On est prêt. On se déplace. On a reçu une décoration pour nos exploits. Allez, allez, allez. Génie d'assaut, prêt. On s'en va. Contact avec l'ennemi, camarade. On y va, les gars. Ouais. Bon. Parfait. Mais ce n'est pas fini. Ils doivent se réchauffer, c'est mieux. Unité de garde d'épée 28 en progression. On se déplace. On va là-bas. J'ai besoin d'aller ici. En avant. Vous comprendrez très vite pourquoi. Besoin d'un appui anti-char. Et c'est même indispensable en fait durant cette mission-là, c'est L'armée rouge à votre on bouge. Vous vous rendrez très vite compte que ce que je vais faire est indispensable. Je vais envoyer deux soldats dedans pour les récupérer, les autres vont réparer. Soldats du génie, à vos outils. On a du travail à faire. Et mes troupes vont avancer. Alors, vous avez constaté qu'ici se trouvent des chars. Bon, c'est... Pour l'instant, c'est un peu tendu pour les détruire. On attend les ordres. Ce PTRS fait son poids, camarade. Marchez, on fait marcher. Hein. Équipe de mitrailleuses légères en mouvement. Soldats du génie en attente. Voilà. Quels sont les besoins? On fait mouvement. Sauf que je ne sais plus par où faut que je passe. Bon. Allez, camarades, vous constatez déjà que c'est une map que nous avons déjà globalement faite, tandis que le dépôt là, c'est étrange, mais il ressemble en partie à... Équipe de mitrailleuses légères en route. On attend les ordres. On est en route. C'est ça. En avant. Vous avez vu? Allez, faites. Allez. Voilà. Globalement, en partie faite, hein, a été modifiée, mais vous voyez, par exemple, ça, on l'a déjà trouvé dans une map. Du solo, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est je vous invite à regarder l'émission solo. C'est où on est en plein hiver. Je sais plus à combien. Recrue en avant, marche. Fusilier, vérifiez votre matériel, on y va. Unité de garde d'épée 28. Et là, contre nous. Tant mieux, ça me plaisait. Remuez-vous, feignasse. Maniez-vous. Hey, j'ai mis trop de temps en fait à venir. La garde, avec moi. On y va. Feu. Il faut y aller, là. Allez, tuez ces fantassins. Vous voulez crever ici. J'ai mis trop de temps parce que d'habitude j'arrive à tous les sauver. On est l'infanterie de la garde. En avant. Et eux, ils sont morts. Oui, camarade, on entre. On déplace la traque. Il y a un groupe d'infanterie ennemie. Merci beaucoup, mon frère. Mes partisans sont à votre disposition. Continuez. Indiquez-nous juste où sont les fascistes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de gymnastique. Et c'est parfait. Combattant de la résistance prêt. Alors... Parce que nous arrivons juste au moment en fait où des troupes en plus sont vraiment importants. C'est l'heure de se mettre en marche, camarade. Il faut regarder le coût des troupes. Ça, je crois que c'est un coût de 60, 30, je veux dire. On déplace la frappe. 62, ok. Oui, mon frère. Ok. Les soldats sont prêts. On est en marche. Eux de mémoire, ils me coûtent que 20 quand je renforce. Donc... Ne nous décevez pas. Que vous voyez, là c'est vraiment par contre. La section a besoin de vous. Allez-y. Beaucoup me diront que c'est un détail, je suis tout à fait camarade. D'accord. Mais recrue. Vous avez que 200 en points d'effectif.
vous faites quoi? Bah vous économisez. Voilà. Tout simplement. Donc, un bataillon de la garde pour éclairer devant. Et un canon. Voilà. Bah, c'est un canon t-shirt standard. Enfin, un pur. On attend les ordres. Changement de position. Et maintenant, section en attente. Pavel, on se concentre. Allons-y. Bougez pas, ou pas. Allez-y. Les soldats sont prêts. On lève le camp. Oui, camarade. On sort. Voilà. Soldat du génie, on y va. Ordre de déplacement reçu. Équipe FF, unité de garde DP 28 en progression. Hop. Déplacement. À terre ! Taisez-vous ! Oula. On change de crèmerie. Allez ! Allez ! Montez dans le half-track, vite ! Et voilà, une conne blindée d'ennemis sur la glace. Oui, mon frère. L'utilité du mortier, c'est pour ça. Voilà, c'est... On y va ! C'est bête, mais c'est vraiment tout pour remortir, en fait, cette mission-là. Est... Vous avez des ordres ? Parce que vous faites sauter à glace ici, 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 en gros un peu partout, et vous aurez plein de blindés. On attend vos ordres ! On est parti ! Donc, j'ai envie de dire, c'est génial. Un toast à notre promotion ! Vous avez des ordres ? Et ça va finir par céder. On bouge. Allez, le mortier. Section en attente. Bien sûr. Bon, par contre, ils mettent du temps à casser la glace. Ça, par contre, c'est un défaut, mais bon, on est obligé de faire avec. Hein. Déplacement. C'est pas grave. Voilà. Il y a un module là aussi, bon. Vous avez des ordres ? Tac ! Hop. On bouge ! Et ils ont récupéré ce canon anti-char. Allez, préparez ce canon ! Vous remplacerez ceux qui ont rendu l'âme ! Déplacement ! Oui, mon frère. Ils ont tant de mal que ça pour couler un pauvre... Eh, ils ont du mal juste pour bien couler sûr. Ça quand même. Mais bon. On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. Faut y aller. On attend d'instructions. Fusil anti-char prêt. Besoin de quelque chose. Bon. Canon anti-char en mouvement. Ici, on va prendre une équipe de PTRS. Non, non. J'ai dit une. Voilà. Équipe PTRS en route. Il n'y a pas dit le canon. En attente. Vous avez des ordres. Tac. Et nous allons aussi attaquer les blindés. Il y a plusieurs blindés, on va quand même tout faire en même temps. Là, ici la garde. Et ce qui est important, là, c'est d'avoir les fusillés de la garde pour pouvoir éclairer un peu, en fait, les positions ennemies. Et nous allons tirer un coup ici. Équipe PTRS en route. Section en attente. Allez, tu vas quand même couler, bien sûr. Quels sont les besoins? Déplacement. Bon travail, mes frères. Vous avez des ordres. Et si jamais vous arrivez à... Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. À neutraliser un char, récupérez-le. Parce que ça vous permettra de vraiment détruire rapidement la glace. Après, il faut avoir un coup de bug aussi. Détruit. Donc vous avez un succès, c'est récupérer
un véhicule à Panzer 4 durant cette mission. Mon frère. Les partisans sont promus. Tac. Fusil anti-char prêt. Pas vous mentir, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis ici. Pièce d'artillerie, les gars. J'ai sauvegardé, j'ai tiré jusqu'à qu'on ait qui soit immobile, jusqu'à qu'on ait qui soit neutralisé. Vous avez des ordres. Et que je puisse se récupérer, voilà. Ne bougez plus de là. Et ces canons anti-char. Donc pourquoi compliquer quand vous pouvez faire simple. Fusilier anti-char en mouvement. Section en attente. Nous avons un char ici. Pièce d'artillerie en attente. Fusil, la garde, on y va. Et ces canons anti-char. Soldats, on lève le camp. Voilà. Vous avez des ordres ? Allez. Voilà. Pièce d'artillerie en attente. L'année allemande détruit. Bon, peut-être pas en récupérer du tout. Canons. Après, c'est pas grave, vous avez un pack 40, donc ça passera tout seul. Hein. Quels sont les... Oh mince. J'ai totalement oublié qu'il y avait froid. Et ces canons anti-char. On attend les ordres. À faute. Oui, mon frère. Tac. Ici, on va faire sortir ce soldat. Oh, on débarque. C'est bon, pilote. Équipe de mitrailleuses légères en mouvement. Panzer 4 détruit. Ordre de déplacement reçu. Groupe de la garde. Groupe, en avant. Bon, pas de bug. Ah, là, j'ai pas de chance du tout parce que j'ai récupéré aucun. Section. Quels sont les besoins ? Aucun char. Bon, on attend les ordres. C'est pas dramatique en soi parce que vous pouvez largement vous en sortir sans. Oui, camarade. Préparez-vous, on bouge. Je vais pas mentir, en avoir un, c'est quand même. Allez, camarade. Plus simple. On a besoin de cette mitraille. Anatoly. Bogdan, avec toi. Mec, mort. Bien sûr. Pièce d'artillerie en attente. L'ennemi tire. Il est temps de partir, camarade. Feu. On a un DP-28. Équipe de mitrailleuses légères en route. Hey, canon anti-char, brouillez-vous. Je pensais pas qu'il était à portée. Allez, faites vite. Quelle est la cible? Oui, mon frère. Tac. Et ces canons anti-char. Canon anti-char en mouvement. Bon. Il faut grimper ceci dans le véhicule. Et ceci. On embarque. Pièce d'artillerie en attente. J'ai vu leur tête au-dessus du... On va repositionner ce canon. On a tué un et il a pas bougé. Halt. Puis un autre, mais il est pas tombé. Panzer 4 détruit. Cette guerre coûte trop cher. Fusil. Excellent. Le blizzard ne semble pas se dissiper. Besoin de quelque chose. Poursuivez vos efforts. Éliminez les derniers véhicules allemands. On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. On va s'arrêter ici. Là, ici la garde. Étant donné que maintenant j'ai une... L'armée rouge faut disquer une tonne de munitions, je peux me permettre en fait d'envoyer des fusées 40 à plus. Ici Infotrack, bien sûr, on avance. Voilà. Et voilà comment on coule un Panzer 4. Ou comment on détruit. Vous vraiment vous mettre en fait à vraiment à limite de votre portée max, comme ça le char ennemi peut pas vous tirer dessus. En attente d'instruction. En route, pilote. Oh. Équipe FM prête. Section en attente.
Quels sont les besoins? Se pourrait-il que le Panzer IV que j'ai besoin soit là? On a besoin de nous dehors. Soldats du G... On va rentrer. Vérifiez votre matériel, on y va. Recrue, cette section a besoin d'hommes. Grimpez, camarades. On fait mouvement. Il se pourrait que... nous avons un gagnant. En fait, le Panzer IV est surtout utile à ce moment-là. Étant donné qu'il est occupé d'un canon d'obusier. Ici, canon. Oui, ici, un track. Déplacement. Ah, bah c'est bon. Canon anti-char en mouvement. Et ben c'est bon. Donc. Dehors les gars. Il faut construire. Voilà, cette escouade là a fait son boulot, hein, je vais pas vous mentir. Déplacement. C'est l'heure de se mettre en marche, camarade. Rejoignez cette section et combattez. Ne nous décevez pas. Entrez là-dedans. La section a besoin de vous. Allez-y. J'ai essayé de me faire enrôler comme pistons. Est-ce qu'il manque un troupe quelque part? Non, c'est bon. On lève le camp. Ce sera peut-être mieux que marcher. Il n'y a pas de lâche. Grimpez, camarades. Prêt. Soldats, on lève le camp. Là, ici la garde. Les soldats, ce sera peut-être mieux que marcher. Oui, camarades. On les appelle pas. En attente. Soldats du génie en attente. Descendez. Il faut construire. Bien, on s'y rend. Inutile d'aller plus loin. Il faut... Oui, camarade. Des réparations sont nécessaires. Je tuerais pour avoir quelque chose de bon à manger. En attente. On déplace le half-track. Il faut boucher, partisan. Étant donné qu'ils sont à couvert, ils ont... le froid ne s'amplifie pas. Donc ils peuvent avoir froid, mais ils sont à couvert. Donc au final... Pièce d'artillerie en ordre de déplacement reçu. Vous avancez comme ça, vous verrez, vous avancerez... Oh là, ils sont pas mis à couvert comme je voulais. Ouais. En attente d'instruction. Déplacement. Et maintenant, il est temps d'attaquer le camp. On va repositionner ce canon. Là. Je suis en train de regarder le temps, j'ai commencé. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps, et ça sera peut-être un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Bien sûr, on avance. Voilà. Oui, camarade, déplacement. Tout le monde descend du half-track. Équipe PTRS en route. Oui, mon frère. On ne peut pas rester, il faut se déplacer. Équipe F. Grimpez dans ce half-track, camarade. Pièce d'artillerie en attente. On déplace notre pièce d'artillerie, les gars. Préparez-vous, on bouge. Oh. Dada. Soldats du génie en attente. Allez. Au boulot, les gars. On se déplace. Oui, camarade. On bouge. Il faut construire quelque chose. On lance le chantier. On rejoint la destination. Limite. Le bâtiment sera construit. Bien sûr. Besoin d'un appui anti-char léger. Et six canons anti-char. Déplacement. Fumier d'ennemis éliminé! Doc, déplacement! On bouge vers cette position! Voilà, bon. Construction achevée selon vos ordres. Partons à chasse aux blindés. En mouvement! Voilà. Notre groupe est en
Faites-moi bouger, stop ferraille. Soldats, allons-y, camarades. Réparez ça si vous le pouvez. Section en attente. Ils nous ont vu. Bougez, partisans. En attente. On attend les ordres. Allez. Besoin de quelque chose? C'est pas pressé du tout, ça. Que. Canon d'assaut neutralisé. Bien compris. Vous avez des ordres? Pavel, on se concentre. Donc, pire des cas, allons-y. C'est pas encore trop grave si vous loupez certains tirs. Prêt. Fusilier anti-char en mouvement. Soldat du génie. Ou que vos troupes se trouvent vraiment à côté des ennemis, tandis qu'ils loupent beaucoup de tirs. Ce. Tac. Le Stug E. Besoin d'un appui anti-char léger. Ce PTRS fait son poids, camarade. Ah, je te crois. Équipe PTRS en route. Quels sont les besoins? Canon anti-char en mouvement. Groupe, on débarque. Occupez ce bâtiment. Marchez, on ne fait que marcher. Un blindé, canon anti-char. On décroche. Canon anti-char, prêt. Tout de suite. Prenez ces chars pour le peuple. Pièce d'artillerie en mouvement. Oui, camarade. On est prêt. On n'oubliera on jamais fait son sacrifice, camarade. Feu sur la fenêtre du conducteur. Ordre reçu. Voilà. Camarade, on y va. Voilà. Stuk, et voilà. Quelques sections de l'infanterie soviétique, tirant profit du froid, ont réussi à éliminer toute une colonne de blindés allemands. Des victoires comme celle-ci allaient affaiblir les Allemands trop éparpillés et finir par sauver Moscou. Donc, comme vous constatez, cette mission n'est pas compliquée en soi. Une fois que vous... Faut vite en fait se dépêcher d'aller récupérer le mortier, d'aller récupérer le canon t-shirt, après... Vous avez tellement de munitions que comme mortier, vous détruisez tout ce que vous pouvez. Vous arrivez que sur la glace, avec votre canon t-shirt, vous détruisez le reste. Et il est très important en fait pour les Stug, le canon anti-char. Après, se récupérer un char, bingo. Donc en soi, cette mission est assez simple. Donc nous avons eu, je sais plus lesquelles de médailles, hein, certaines de ces médailles, je sais plus. Attendez. Leningrad, bataille de Okab, voilà. Nous avons eu, non, c'est pas bataille de la rivière, assassinat d'officier, c'est pas bon. Nous avons eu les médailles violettes ici, nous avons eu ces trois médailles là. Preuve. Voilà, donc froid hivernal, nous avons débloqué. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois hein, pour la suite de ce bowl food du théâtre de guerre de l'opération Barbarossa. Donc je vous dis à la prochaine fois et encore merci de m'avoir suivi. Allez, à ciao tout le monde!